Bonjour à tous. Nous sommes le 28 octobre 2024. Il est 13h30. J'ai mis la nouvelle caméra avec le petit accessoire micro. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il fait encore très beau. Donc, je pense que la caméra va s'éteindre toute seule au bout de 25-30 minutes. Bon, on verra bien, hein. Je vous mettrai, je ferai comme la ligne 3, je vous mettrai quand même la vidéo, même si elle est incomplète. Voilà, tout à l'heure, là je vais sortir au pied. Donc c'est pas la peine que je le filme parce que je l'ai déjà fait, ça sert à rien. Et je vais sur faire mon premier départ au centre commercial des Clairions pour aller à Carrière, ligne 4. Voilà, ligne 4, Auxerre, les Clairions, Auxerre, Carrière. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai dit une bêtise, c'est bien la ligne 4, mais c'est Auxerre, centre commercial, les Clairions jusqu'à Périgny-Bréhande. Je me suis trompé. Et j'ai un bus avec une clim. Incroyable. Mais il fait chaud quand même.
Bon, c'est aussi la première fois que j'essaye ce genre de vidéo avec deux vidéos superposées. J'espère que je vais arriver à bien les synchroniser. C'est pas évident. Ça doit être au centième de seconde près. Bonjour. Ah, elle est vide. Merci. À vous aussi.
Alors ici, je vous l'ai déjà dit, je me mets en plein milieu pour éviter les imbéciles qui doublent dans le rond-point. Au revoir. Bon, je ne ferai pas de coupe dans cette vidéo. Puisque si je dois synchroniser les deux vidéos, si je fais des coupes en plus, ça va être l'enfer. Ça double à droite pour aller tout droit. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Au revoir. Et ils n'ont pas compris qu'il fallait appuyer sur le bouton pour demander l'arrêt et l'ouverture des portes. Voilà, on a encore 2 minutes de régulation, donc vous pourrez appuyer sur avance rapide ou un truc comme ça. Hein, comme je vous ai dit, je fais pas de coupe.
J'essaye de mettre la ventilation, mais ça sort vraiment pas fort. Pourtant, les ventilos, ils sont à fond. La caméra commence à chauffer. Je pense qu'elle va s'arrêter dans une dizaine de minutes. Oh là là, c'est pas vrai ça. Merde. Il est trop long ce feu rouge. Bonjour.
Putain, on voit rien avec ces caoutchoucs là. Les caoutchoucs sur les portes avant là, c'est vraiment imposant. On est obligé de se pencher pour arriver à voir quelque chose à droite. Ah, le 3 novembre, il y a un match au stade Abbé Deschamps, AJ-Auxerre contre Rennes. Ça veut dire que il va y avoir du monde le 3 novembre à Auxerre. Il fait beau, c'est incroyable. La semaine dernière, on a eu quelques belles journées aussi. La température était montée jusqu'à 24 degrés. Et là, franchement, c'est vraiment des belles journées. Quand on tourne comme ça, on surveille son pivot dans le rétroviseur. Pour éviter de monter sur le trottoir. On jette d'abord, avant de tourner, on jette d'abord un petit coup d'œil dans le rétro gauche pour voir s'il n'y a pas une voiture à côté du porte-à-faux. Et ensuite, on surveille son pivot dans le rétro droit. Et on redonne un coup d'œil à gauche. Il faut pas hésiter à regarder dans les rétros. Hein. Des fois, vous n'êtes pas obligé de tourner la tête. Hein. Juste le fait de un petit coup d'œil rapide.
Et donc le pivot, parce que bon, quand il n'y a qu'un trottoir, c'est pas bien grave. Mais s'il y a des voitures garées, c'est plus problématique. Comme là, par exemple, le camion. Donc, le pivot dans le rétro gauche. Et voilà, une fois que la roue est passée, c'est bon. Donc là je tourne, bon là j'ai pas besoin de regarder dans mon rétro gauche d'abord puisque on est dans une petite rue à sens unique, mais je le fais quand même, on sait jamais. Et le pivot à droite, on surveille son pivot. Et voilà. Alors le pivot. Le pivot, c'est l'axe de la roue arrière. Hein. Le centre de la roue arrière. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que la clim fait beaucoup de bruit. Hein. Alors ici, on est obligé de prendre à gauche directement parce qu'on ne peut pas tourner autour de rond-point, il n'y a pas assez de place. Ah bah alors ils font des travaux juste à l'arrêt du bus. Merci monsieur. Madame. Bon, le bus est vide. Et je suis... Bon, j'ai une minute de retard. Alors, cette piste à bus de l'autre côté, là, elle n'existait pas avant. C'est bien ce qu'ils ont fait, là. Parce que le matin et le soir, les bus viennent s'arrêter, enfin les cars scolaires viennent se mettre là en attente. Ou quand ils arrivent, ils se mettent là pour décharger. C'est bien ce qu'ils ont fait parce qu'avant c'était un peu le bazar. Là ils ont élargi la route a priori pour faire la voie de bus. Alors qu'avant... Il n'y avait pas de voie de bus, la route était moins large, donc tous les cars, une fois qu'ils étaient arrêtés à droite, ben, quand il y en avait 4-5 les uns derrière les autres, pour les doubler, c'était compliqué parce qu'il y avait toujours des véhicules qui arrivaient en face.
Ah ouais, ce bus-là, il est déconcertant parce que il n'a pas de bouton FAE. Par contre, il a un petit FAE avec la petite tirette. Et au début, tout à l'heure, à chaque fois que je voulais mettre le frein, le FAE, j'appuyais sur le bouton de la porte. Ah, il fait vraiment beau, c'est incroyable. 28 octobre, un temps comme ça. C'est dingue. Alors, pourquoi il y a des cônes là? Pourquoi il y a des cônes là? Explique-moi. Ah, ils ont peint des flèches. Ah, ils ont refait les bandes blanches. D'accord. Allez, on y va. Bon ben... La caméra s'est pas arrêtée, c'est marrant. Pourtant, elle est chaude. Enfin, elle n'est pas si chaude que d'habitude, mais elle est chaude quand même. C'est peut-être la clim, parce que je la sens un petit peu la clim quand même, là. Puisque j'ai fermé la fenêtre, là, tout à l'heure. Je roule la fenêtre fermée, j'ai pas chaud. Et je sens un peu de fraîcheur. Donc j'ai de la chance, le jour où je choisis de faire une vidéo, j'ai un bus avec une clim intégrale. Waouh! Quelle chance! Alors ce que je vais faire, j'ai encore un tour et demi à faire là sur cette ligne. Je vais arrêter la vidéo quand je vais arriver là. Et quand je vais repartir et revenir et je filmerai le retour. Pas tout de suite, mais le tour d'après, je filmerai le retour. En espérant toujours que la caméra ne s'arrête pas toute seule. Comme ça, elle va refroidir. Je vais faire un tour complet, elle va avoir le temps de refroidir. Là, ici, il faut faire attention parce qu'on est obligé d'aller complètement à gauche pour tourner à droite. Eh ben, c'est cool. Une vidéo complète.
Alors là, pour être bien droit, je monte sur le trottoir, je descends tout doucement. Et voilà, Périgny-Bréhonde, terminus. Et je repars dans 18 minutes. Voilà, donc je vais... Alors ici, j'ai un tour de 4, un tour de 4, un tour de 1, un tour de 1. Donc là, ici, je viens de faire ça. Je vais faire ça et ça. Et je remettrai en route la caméra tout à l'heure, là, ici. Donc, départ à 16h45. Comme ça, elle aura le temps de bien refroidir. Après, ce sera en espérant qu'il n'y ait pas trop de circulation, parce que dans les embouteillages, forcément, on perd du temps. Et donc, elle chauffe plus, puisque j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. Voilà. Je filmerai pas la ligne 1, parce qu'il sera trop tard. Comme le jour tombe de bonne heure, la nuit tombe de bonne heure, maintenant... c'est pas la peine. Enfin, je vais essayer, puisque cette caméra, soi-disant, est bien meilleure, de bien meilleure qualité quand il fait nuit. Je vais essayer, on verra bien. Si c'est pas concluant, je la posterai pas. Voilà, allez, je coupe.